Bienvenue sur Five Star Tarot, les poissons. Merci à Sylvie Cazobon pour le 21E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sylvie. Merci Ted. Merci Teddy Villaret pour le 25E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Teddy. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui mettent des pouces bleus, merci à tous ceux qui sont sur cette chaîne, tout simplement. Les vrais. Et les autres, bah merci de partir. Les guides me disent, elle est pourrie ton intro, mais je m'en cogne. Cutting the deck. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les poissons, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Ouais, je vous fais vous et les gems en premier parce que c'était pas. Enfin, je vous avoue que les readings n'étaient pas fameux hier. Bon, il y en a qui ont aimé, hein, qui m'ont dit c'était ça et tout, mais bon. Je vous avais dit que je reviendrais vers vous, les poissons, donc je reviens vers vous. Voilà. Vous avez remarqué que quand je vous dis un truc, je le fais. Hein. En ce qui concerne la chaîne, hein, après tout ce qui est Instagram et tout ça, si je vous dis que je viens et que je viens pas, c'est que j'ai autre chose à faire, et puis voilà. Allez, c'est parti les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as pas fait ton invocation et tout? Ben, c'est parce que je l'avais déjà fait avant, j'ai fait les gems avant vous là. Et le reading m'a gonflé en fait. Et vous allez me dire, mais tu vois, c'est pas une raison pour que les répercussions soient sur nous, mais je suis d'accord. Quoique, peut-être, je me dis qu'il y a des choses, en fait, des fois que le tarot ne veut pas montrer, mais c'est justement pour les bonnes raisons. C'est la sagesse infinie de la source. Et certainement qu'il y a du travail à faire de la part de tout le monde, en fait, dans les readings. Et que ben, si nous, on n'est pas censé dévoiler certaines choses, c'est certainement pour les bonnes raisons. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça sert à rien de vouloir aller fouiller, d'aller vouloir faire de la magie noire et tout ça. Je veux dire, arriver à un moment. On va rester léger et précis un minimum. Donc, les poissons. Dans une triangulaire et en questionnement. Face à des choix avec le Seven of Cups et le Nine of Swords, ça veut me dire que c'est très difficile en ce moment, que vous ne savez pas exactement quoi faire, que dire, où aller. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi potentiellement des personnes qui vous regardent et qui vous jugent, les poissons. Donc je vais éviter d'en faire de même aujourd'hui. Face à des choix, face à des choix. Peut-être que vous êtes même certainement préparé par l'univers à avoir la maturité suffisante pour pouvoir exposer et vos arguments et défendre vos positions. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vraiment, de façon pratique, il y a vraiment des choix qui sont vraiment face à vous, mes amis poissons, en ce moment, et que il y en a un que vous voulez un peu plus que d'autres, mais vous ne savez pas vraiment quoi choisir. Vous vous sentez poussé à vouloir aller quelque part. Mais vous savez pas trop. Vous vous sentez pas prêt en fait. Vous vous sentez pas prêt et vous vous sentez tourmenté en ce moment au niveau du mental.
Mais quelque chose me dit que vous êtes amené en fait dans ce tourment à trouver une clarité, une clarté pour pouvoir justement défendre vos positions et faire les choses de façon organisée et correcte en fait. Vous aimeriez justement livrer en fait votre corps et votre âme à l'art. Vous aimeriez aussi, je pense, être vous aimeriez vivre en fait, vous aimeriez partager, c'est vraiment ce que vous voudriez à l'intérieur de vous, mais vous vous sentez seul, vous vous sentez seul. Alors vous allez me dire, oui, machin, tu nous as déjà dit que la solitude c'était la présence de soi-même, mais j'ai l'impression qu'en ce moment-là, c'est vraiment très difficile à porter j'allais dire, toute cette énergie lourde en fait en ce moment qui nous est imposée, hein, qui nous est imposée justement pour pouvoir grandir, pour pouvoir justement. Voir les choses d'un autre point de vue, en fait. Et ça vient me dire que c'est pareil aussi pour les James, mais bon. Mais ça vient me dire que oui, vous êtes tourmenté. Vous voudriez vraiment être dans cette énergie du Three of Cups, là. Vous aimeriez. Mais en ce moment, voilà. En ce moment, c'est difficile. C'est même, j'allais dire, presque pas possible pour vous, en fait. En tout cas, concrètement, votre autre, il pense à vous, je dirais même qu'il rêve de vous et qu'il vous voit, il se sent très éloigné de vous et j'ai l'impression qu'il porte aussi le monde sur ses épaules, mais qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à vous très souvent et tout le temps. J'ai l'impression que vous êtes même relié dans le domaine des rêves, dans le domaine des étoiles, hein, c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois, mes amis poissons. Désolé pour la luminosité, le truc qui vient de s'éteindre là. Mais c'est vraiment, et je sais que je dois paraître un peu sombre là du coup, mais je ne sais pas si ça va bien s'améliorer, mais bon voilà. Cette personne, elle a énormément de passion pour vous et elle aimerait exprimer sa passion pour vous, mais du moins vous l'écrire, du moins vous l'écrire, mais elle ne sait pas vraiment comment faire. J'ai l'impression que cette personne, elle a quand même de beaux espoirs que vous veniez à elle, alors que vous avez vraiment. Pas, vous ne savez vraiment pas comment aller vers cette personne. C'est ça qui paraît vraiment difficile au niveau du mental. Et j'ai l'impression que cette personne, elle essaye de trouver un équilibre entre ses émotions et entre le monde du matériel. Ça vient me dire que cette personne, elle est en train de se préparer. Elle est en préparation, elle est dans une certaine réalisation et elle est dans une certaine. Elle est dans une certaine. J'allais dire que cette personne, en fait, elle apprend à joindre les deux bouts. Elle apprend à comment dire, à s'éveiller, à avoir confiance en elle, en fait, à sortir du désespoir. Et vous, j'ai l'impression que vous apprenez à acquérir les armes justement pour pouvoir, j'allais dire, vous adapter à différentes circonstances qui sont autour de vous. Enfin, si vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est que la différence entre vous, c'est que cette personne, elle est en train de trouver un équilibre. Hein. Elle a la carte de la tolérance, de la tempérance. Ça vient me dire qu'elle est protégée. Ça vient me dire que c'est ça, c'est une certaine illumination. Elle apprend à grandir, elle apprend à se revendiquer, elle apprend à se stabiliser, elle apprend à trouver à vraiment se stabiliser émotionnellement et professionnellement. Elle est en train d'apprendre à manifester de l'abondance. Alors que vous, j'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre à vous défendre et à gérer en fait tous les problèmes et toutes les. Peut-être cette triangulaire qui est en train de. Ses choix en fait, ses choix. Vous êtes en train d'obtenir de la lucidité sur différents choix que vous auriez à faire. Il y a vraiment une situation qui est très compliquée là, mes amis poissons. Au niveau de la relation, on a le Six of Swords, ça ne m'étonne pas. Donc, ça vient me dire que le Six of Swords, c'est vraiment le fait de vouloir quitter, en fait, de vouloir quitter tout ça, le fait de vouloir quitter les tracas, alors que les tracas sont là justement pour vous permettre de voir la lumière. Mais. Il y a une histoire de rêve, il y a une histoire de vouloir aller trouver l'ancrage chez l'autre, que ce soit l'un ou l'autre. Mais il y a une énergie de vouloir trouver une stabilité chez l'un comme chez l'autre, de vouloir trouver un ancrage, de vouloir trouver en fait un safe harbor. But ships are made to sail, not to be safe in harbor, my friend Pisces. Ça vient me dire que les bateaux ne sont pas construits pour rester dans le port en sécurité, mais. Les bateaux sont construits pour aller voguer, naviguer sur la haute mer, pour aller trouver le One Piece. Et ça vient me dire s'il y a un sens que vous, ce que
Cette personne, elle aimerait revenir au port et vous, vous aimeriez vous diriger vers le port. En fait, vous voudriez vous retrouver tous les deux dans un port. Alors que j'ai l'impression que là, la source, l'univers est en train de vous apprendre à être tous les deux, en fait, à vous accoster, en fait, sur un océan qui est vraiment tumultueux. Et c'est ça, en fait, c'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. Donc, il y a énormément de réalisations qui sont faites de part et d'autre dans votre relation. L'univers vous apporte les clés pour pouvoir vous amener à ceci. Et il y a énormément d'éclaircissements, en fait, quant à vos capacités intellectuelles, quant à vos capacités d'agissement et tout ça. Il y a énormément de clarté. La source, votre relation, ce lien que vous avez indéfectible, vous amène à avoir de la clarté, en fait, sur, j'allais dire, sur tout ce qui est ombrageux, tout ce qui est sombre en ce moment, mes amis poissons. Et finalement, tout ça, en fait, ça vous amène à quoi? Ça va vous amener à la décision ultime, je dirais même le fait de décider, le fait de trancher, le fait de prendre la bonne décision, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'autre, que ce soit dans une séparation ou que ce soit chacun partir de son côté ou vous retrouver. Mais pour l'instant, le lien qui vous unit vous amène justement à avoir les armes pour pouvoir être confortable sur une mer tumultueuse. La Queen of Swords, c'est aussi la liberté, c'est aussi l'acceptation de l'autre, c'est aussi l'intelligence, c'est aussi le fait de prendre les bonnes décisions de façon rationnelle, d'avoir acquis l'expérience pour pouvoir prendre les bonnes décisions de façon rationnelle. C'est ce qu'on appelle l'expérience. C'est aussi, c'est ça, la mort d'une bonne action, c'est d'en parler en fait. Donc c'est le fait d'arrêter d'être dans le fantasme et d'arrêter d'être... Vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes vraiment dans la compréhension. Votre souffrance et cette action que vous êtes en train de mener en ce moment, c'est vraiment un Game of Thrones que vous êtes en train de vivre en ce moment, mes amis poissons. Tout ça pour, de fil en aiguille, en fait, arriver à la conclusion, obtenir la puissance de la Queen of Swords. Ça, c'est vraiment sur votre lien, c'est vraiment le fait de trancher, la racine latine de décider, c'est vraiment le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles dans la vie. Et finalement, tout ça, en fait, ça vous apprend une chose, ça vous apprend l'énergie du Ace of Cups, regardez. Le Ace of Cups libère des papillons, en fait, qui vont... dans le Rider-Waite, se poser en fait dans la main de la Queen of Swords. Le petit papillon vient se poser dans la main, mais peut repartir à n'importe quel instant. Et la Queen of Swords ne va jamais refermer sa main pour pouvoir emprisonner, étouffer le papillon. Parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait étouffer, et je pense que c'était l'autre. Ou alors c'était vous, mais il y a quelqu'un qui voulait étouffer là. Et il y a quelqu'un qui voulait étouffer, il y a quelqu'un qui ne voulait pas être étouffé, qui avait envie de batifolage, et je pense que, pas de batifolage, mais qui avait envie qui manquait peut-être de maturité émotionnelle. Et en tout cas, peu importe, mais, non, pas peu importe, mais le Ace of Cups, et je suis sûr que même si moi, je ne comprends pas vraiment ce que je suis en train de vous dire, vous allez comprendre les poissons. Mais en tout cas, le Ace of Cups, ça c'est clair et net, c'est avant tout l'énergie de s'aimer soi-même. Donc vous êtes en train de vous apprendre à vous aimer vous-même, et quand vous vous aimerez vous-même, vous pourrez prendre les bonnes direction parce que l'univers ne nous donne pas ce que l'on demande, l'univers nous demande ce que nous sommes en fait. Regardez, la personne d'en face, elle sait que c'est vous. Elle a une seule et une ligne lumière. Et vous, vous avez plein d'étoiles. Mais n'empêche que que votre baguette se dirige vers une seule étoile. Donc vous savez que c'est cette personne. Donc vous êtes en train d'acquérir la maturité pour pouvoir placer les pions au bon endroit justement, pour pouvoir obtenir la victoire et pour pouvoir faire une sélection de pions, vous voyez. Prendre le pion qui vous correspond le plus et pouvoir le rapprocher près de votre cœur là. Alors que votre personne, lui, il ne veut plus fuir la relation. Il veut vraiment trouver, il veut trouver aussi, il est protégé par la source aussi. Votre autre, en fait, il est en train de découvrir, en fait, son importance. Il est en train de découvrir, en fait, quelque chose de précieux, là. Il y a énormément de prise de conscience. Tout ça, c'est en train de vous amener vers de la clarté, en tout cas, mes amis poissons. Allez, on va aller clarifier tout ça, mes amis poissons, alors. Avant de clarifier tout ça, je reviens un peu vers vous, mes amis poissons. Il y a une énergie d'exubérance. Vous êtes les plus grands artistes du zodiaque, mais il y a une énergie de triangulaire aussi ici. Mais comme si, en fait, vous avez envie de légèreté.
En ce moment, vous avez besoin de légèreté. Hein. Ce n'est pas forcément le batifolage, mais vous avez envie de légèreté. Parce qu'en ce moment, les énergies sont lourdes, mes amis poissons. En ce moment, vous êtes littéralement dans le Seven of Cups, c'est-à-dire dans l'indécision face à un choix. Votre challenge, justement, c'est de faire votre choix, de vous décider, d'avoir les idées claires dans la pénombre où vous vous trouvez. Vous êtes poussé, justement, à aller dans des endroits plus calmes, dans quelque chose de plus léger. Et de sortir de la nuit noire de l'âme, parce que je vois que par le passé, ça a vraiment été très difficile pour vous. Hein. Insomnie, difficulté à dormir la nuit, tout ça, angoisse, crise de panique, ça a vraiment été vraiment difficile, hein, vraiment très difficile. Le fait de paraître et tout ça, d'être angoissé. Au centre de votre reading, le Ace of Wands, donc ça vient me dire de passion, peut-être une passion jeune et puérile, mais une passion. Vous avez une passion pour quelqu'un, vous avez envie de déclarer votre passion pour quelqu'un. Et c'est ça qui vous motive et qui vous drive. Mais c'est ça aussi qui cause tout votre tracas. Mais peu importe, parce que de plus en plus, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de trouver la clé, vous êtes en train de comprendre pourquoi vous êtes en train de passer ce par quoi vous êtes en train de passer. On vous demande d'exposer vos arguments, on vous demande de parler, on vous demande de sélectionner, on vous demande de choisir, on vous demande d'être. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Vous êtes en train d'apprendre à devenir lucide, vous êtes en train d'apprendre à faire les bons choix, c'est exactement ça. C'est ce que la source vous conseille de faire aussi, mes amis poissons. Au niveau de votre famille, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous essayez de trouver un équilibre au niveau de votre famille. Vous arrêtez de suivre vos responsabilités et vous apprenez à faire confiance à la source, à faire confiance à vos intuitions. Au niveau de. J'ai l'impression que vous allez garder aussi les personnes que vous devez garder dans votre vie et que vous allez laisser partir aussi les personnes qui ne vous correspondent plus. Vous n'allez pas chercher à fréquenter un groupe de personnes pour pouvoir paraître ou être. Peut-être que vous avez déjà fait ça par le passé, mais ça vous a potentiellement. Vous avez pris cher là-dessus, les poissons. Donc maintenant, j'ai l'impression que vous laissez un peu ça de côté. Encore une fois, la naissance de l'intelligence, une envie de liberté, une envie de décisionnel, une envie de. Quelque chose me dit. Ça me parle aussi de minutie. Quelque chose me dit que vous allez devenir méticuleux, peut-être dans votre art, dans votre façon de créer. Mais vous allez, quoi qu'il en coûte, c'est marrant parce que ça me fait penser à aiguille, l'aiguille, l'épée de Arya Stark, là, dans Game of Thrones. Donc ça vient me dire que. Vous me faites penser un peu à. C'est exactement ça, vous me faites carrément penser à Arya Stark dans Game of Thrones. Le parcours de Arya Stark, en fait. Et elle était pleine de revanche et finalement, ça devient la plus grande aventurière à la fin de Game of Thrones. Hein. C'est exactement ça. Et je me demande, c'est un moment, je me rappelle, il y a Jon Snow à la fin qui dit, est-ce que tu as aiguille avec toi? Et elle avait toujours aiguille qui était son épée. C'est un peu ça en fait. Et finalement, quand même, Arya Stark, c'est quand même elle qui tue le Night King dans Game of Thrones. Hein. Donc elle est vraiment badass en fait. Hein. Et pour terminer, on arrive au Ace of Cups. Donc c'est exactement ça. Vous allez trouver votre valeur et vous allez finir par vous aimer quoi qu'il arrive. Tout ça, c'est vraiment pour vous apprendre à vous aimer vous en premier, mes amis poissons. Allez, je vais clarifier tout ça. C'est ça, en fait. Vous allez mettre votre vie bien rangée, bien ordonnée derrière vous et partir à l'aventure, en conquête de, à la recherche de vous-même. N'oubliez pas, c'est une énergie des poissons. Hein. Allez les poiscailles, je suis content, au moins c'est un reading d'espoir pour vous, je suis vraiment content. Mais les gems aussi finalement. N'hésitez pas à me mettre des commentaires les poissons. Hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires.
Cutting the deck for Pisces. Peut-être que je me suis gouré, hein. Certainement, c'est pour ça que je vais aller clarifier tout ça. Il fait super chaud, les cartes sont sticky. Je suis littéralement en train de me décomposer les poissons. Allez, je clarifie le Three of Cups avec le Five of Cups in reverse, avec l'arcane de la justice. Ça vient me dire que vous avez besoin de trouver un équilibre, et c'est ce que vous voulez, un équilibre. Vous devez laisser tomber, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de laisser tomber les regrets derrière, vous êtes en train de trouver un éclaircissement sur tout ça. La justice divine, elle est juste, hein. Regardez, sa pantoufle, elle est blanche en fait. Ça veut dire que ça parle de pureté en fait, c'est un symbole de pureté en fait. Ça vient me dire que la justice divine, elle est toujours juste en fait. Hein. Enfin, c'est le symbole que veut présenter cette carte en fait. Et ça vient peut-être me dire un petit message comme ça aussi, qu'il y a peut-être une petite baisse de libido sexuelle en ce moment les poissons, mais rien de bien grave vous concernant. J'en suis très sûr. Ben, c'est peut-être une bonne chose aussi pour vous. Peut-être que vous êtes en train de recharger vos énergies sexuelles. En tout cas, vous êtes en train d'acquérir vraiment la force de l'âme et la force du cœur. Hein. C'est exactement ça. Vous êtes en train de... Toutes les épreuves que vous êtes en train de passer en ce moment, c'est vraiment pour vous amener la force, hein, mes amis les poissons. Clarifiez le Seven of Cups avec le Seven of Cups. Ouais. Ça vient me dire que vous gardez les choses pour vous. Hein. Vous gardez les choses pour vous. Vous ne dites rien. Hein. Vous avez envie de laisser tomber le passé, vous avez vraiment envie de laisser tomber le passé, mais c'est très difficile pour vous, hein. C'est vraiment difficile pour vous. J'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas, l'univers vous pousse à vous concentrer sur vous en ce moment, à vous occuper de vous en ce moment. C'est ce que vous êtes amené à faire en ce moment, c'est vraiment ce que vous êtes amené à faire en ce moment. Clarifier le Two of Wands avec le Seven of Wands in reverse, avec le Ten of Pentacles in reverse, avec le Ten of Wands. Donc ça vient me dire que la personne qui est en face de vous, elle a arrêté. Elle a arrêté. Je ne sais même pas si elle a arrêté les communications avec vous, mais en tout cas, cette personne, elle ne vous parle pas et elle pense qu'elle n'obtiendra jamais la stabilité, la famille, tout ça avec vous. C'est vraiment ce qu'elle pense à l'heure actuelle. Et l'univers, en fait, l'amène à se séparer, à déposer son fardeau, en fait, à déposer ses souffrances, à déposer ses illusions et ses fausses croyances vous concernant. J'ai l'impression que vraiment cette personne, elle est vraiment en train de j'allais dire de manifester les bonnes choses pour elle, c'est-à-dire de garder l'espoir. Cette personne, elle est en train de garder l'espoir, vous concernant, bien entendu. Hein. Que l'univers essaye, j'ai l'impression que l'univers essaye de faire comprendre à cette personne qu'il n'y a rien à craindre, finalement. Que même si vous, vous êtes perdu, que l'univers va vous guider. Et c'est un peu comme les gems, en fait. L'univers demande à cette personne de vous faire confiance. Hein. Vous avez un peu les mêmes énergies, hein, c'est pour ça que je reviens vers vous. Clarifier le Nine of Swords, peut-être que la guidance des Gémeaux vous parlera aussi. Je clarifie le Nine of Swords avec le Seven of Swords, avec le Two of Pentacles in reverse et avec le Valet d'épée. Il y a eu des trahisons, hein. Il y a eu des trahisons, hein. Il y a eu des trahisons, il y a eu des... Il y a eu des trahisons, mais c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions et maintenant d'avoir appris, mes amis poissons. Et je pense que les trahisons, les jeux qui ont été faits avant, c'est-à-dire les manipulations, les jeux et tout ça qui n'ont pas eu l'air d'avoir marché, je pense que maintenant,
Ça vous a permis d'apprendre une grande leçon de la vie, mes amis poissons. Et maintenant, vous allez devoir laisser tomber les regrets et vous allez devoir comprendre pourquoi tout ça, ça vous est arrivé. N'oubliez pas que dans la vie, on passe souvent par les épreuves justement qui nous permettent d'obtenir les choses que l'on doit comprendre. Et l'univers passe souvent par des chemins détournés pour nous faire comprendre ces choses, hein. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre personne, il y a une personne qui vous voit comme son absolute everything. Hein. Donc, jusqu'à maintenant, cette personne, elle n'a pas détourné l'amour inconditionnel qu'elle a pour vous. Hein. Je clarifie le Ace of Wands avec le Nine of Wands in Reverse, avec le Diable à l'envers et avec le Nine of Pentacle in Reverse. Donc ça vient me dire que cette personne aussi, elle arrête de faire genre que tout va bien dans sa vie, que machin. Elle est en train de devenir authentique et cette personne n'est plus sur la défensive. Et elle est en train de se libérer en fait des addictions affectives, peut-être potentiellement qu'elle avait par rapport à vous. Hein. Les attachements affectif qu'elle avait par rapport à vous et qui fait que vous savez, quand une personne est trop soumise à l'autre, c'est ce qui engendre ce genre de comportement, c'est ce qui engendre le Seven of Swords. Hein. Quand vous avez un petit toutou chez vous, bien dressé, bien éduqué, eh ben, vous le traitez comme un petit toutou. Mais là, cette personne, elle s'est complètement retirée de ça, elle a complètement changé son énergie. Hein. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura une prise de conscience chez vous aussi, mes amis poissons. Je ne veux pas dire que vous êtes Dites-vous bien que dans une rupture, en fait, dans une séparation, c'est jamais la faute d'une personne. Et que tout est énergie. C'est tellement facile de juger. C'est tellement facile de juger. Et là, les guides me disent, c'est ce que tu as fait sur les gems tout à l'heure. Oui, mais ce n'est pas grave. Ils sont assez intelligents, ils me pardonneront. Quoique, après, j'ai vu le reading, hein, mais bon, ça me fait un prétexte pour leur refaire un reading très vite. Et faites-moi des commentaires les poissons parce que votre autre revient, restez près du téléphone, votre autre va vous appeler, votre autre quitte la tierce, votre autre vous aime, vous avez des sentiments pour votre autre, mais vous vous occupez de vous-même, c'est bon quoi, je veux dire. Je pourrais, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas 30 000 vues par jour. Hein. Et bon, vous allez me dire, il y a plus de clients au McDo que dans les restaurants gastronomiques. Hein. Pas tout le monde a les moyens énergétiques de venir regarder ce genre de guidance et pas tout le monde a les couilles de venir mettre un pouce bleu. On préfère mettre un pouce négatif. On préfère se désabonner, hein, bien entendu, c'est plus facile. Quand ça blesse, on préfère partir. C'est pas ça qui m'empêchera d'être là demain, hein. Et de vous faire des readings toujours plus extraordinaires. Parce que moi, la montagne, je vais continuer à la monter. Hein. Je ne vais pas me contenter de rester en bas et de pleurnicher. Hein. Le Five of Wands. Donc ça vient... Excusez-moi pour ça, les poissons. Ce que ça vient me dire, c'est que... Voilà, alors regardez. Five of Wands sur Five of Wands. Hein. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de sortir de l'illusion. C'est ce qui va vous permettre d'affronter les dangers. C'est ce qui va vous permettre... d'obtenir la stabilité, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la sagesse, c'est ce qui va vous permettre d'obtenir la robustesse du taureau, c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous établir dans la matière en fait, c'est vraiment ce qui va vous permettre tout simplement d'être des boss, regardez, lui des 4-3, c'est celui qui déconne le moins, regardez, il a son... Lui, c'est vraiment celui qui est posé, quoi, c'est le... Lui, c'est le Ramsay Bolton, lui, non, lui, c'est le... C'est le... Non, c'est pas le Ramsay Bolton, mais bon, lui, c'est vraiment, voilà, c'est celui qui a réussi à... Regardez, il a un pied sur une tête d'animal, regardez, carrément, boum, il écrase la tête du diable ici, là, vous voyez. Lui, il a les yeux fermés, lui, il est tranquille, lui, c'est celui qui prend les bonnes décisions, c'est celui qui est assis confortablement sur son trône. C'est le King of Pentacles. Donc ça vient me dire que voilà, vous êtes des artistes, mais que vous allez être posés les poissons. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous allez être les kings de votre game. Hein. Je ne suis pas en train de vous la brosser là.
Mais en tout cas, vous êtes en train d'amener à faire les bons choix. Regardez, il a des grappes de raisin. Les grappes de raisin, c'est difficile à cultiver le vin. Ça vient me dire que vous allez faire un bon cépage, mes amis poissons. C'est exactement ça. Ça vient me dire que de votre art, en fait, vous allez faire naître des grands crus, mes amis poissons. C'est exactement ça. C'est la leçon que vous êtes en train d'apprendre. Clarifier la tempérance. Alors, cette personne, gros bouleversement, parce que quand ça va arriver, bien entendu, regardez. Gros bouleversement, la tour, le Four of Wands et le Hiérophant. Donc ça vient me dire que voilà, ça va passer du néant, exactement, au Four of Wands. À ce que vous attendez tous les deux, en fait, inconsciemment, je veux dire, ce que vous êtes en train de manifester, c'est le Forever After, c'est le Dancing for Life, c'est le Commitment, c'est la guidance, en fait, c'est la carte du mariage et tout ça. Vous êtes destiné avec votre autre, mais en tout cas, vous serez destiné avec votre autre dans l'opulence. Dans l'opulence. Ça vient me dire que vous allez finir dans l'opulence. Ça vient vraiment me dire que vous allez finir dans l'opulence. Et vous allez dire au revoir à ça, mes amis. Il y a peut-être un problème de sexualité aussi non assumée. On veut la chèvre et le chou, on veut l'homme et la femme, on veut... Vous m'avez compris. À quelle hauteur? Les guides me disent 15%. Donc, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui aime peut-être les hommes, mais qui aime aussi les femmes à hauteur de 15% ou qui aime les femmes et les hommes. Et on vous demande de clarifier tout ça, bien entendu, pour que ce soit honnête pour l'autre aussi. Hein. C'est un petit message comme ça au passage. Les cartes ne sont qu'un outil. Clarifier le Six of Swords. On a la Reine d'Épée. Donc, c'est ça, c'est la clarté. Hein. C'est vraiment la clarté. C'est le fait de s'affirmer. C'est le fait d'être... de ne pas être en dépendance affective, hein, de voler dans... C'est le fait aussi de communiquer, de s'ouvrir à l'autre et de ne plus regarder le passé, de ne plus revenir en arrière et d'avancer, en fait, de retenir les leçons et d'avancer. Hein. De ne plus... Donc, ça vient me dire que le passé va être totalement mis en arrière et que cette situation va être totalement éclairée, mes amis poissons. Le Ace of Swords, on a les Lovers, on a le Cavalier d'Épée in Reverse et on a l'As de Denier. Donc, ça vient me dire que, encore une fois, ça, pour que ça s'en aille et pour que ce soit séparé par ça, c'est-à-dire les lovers, ce n'est pas en voulant dire tout un tas de choses, en se précipitant, en voulant parler, en voulant argumenter. C'est en se concentrant sur cette chose de concrète. Donc, cette chose de concrète, pour votre hôte, c'est de découvrir sa valeur, c'est le fait de continuer, de ne pas lâcher, de ne pas revenir vers vous surtout. Et en fait, sur cette chose de concrète, en fait, cette chose de concrète, on vous demande de ne pas attendre, de ne pas partir dans des arguments, des trucs comme ça. Enfin, la vérité, elle est concrète, en fait. Elle est concrète, elle n'est pas... Il y a deux personnes là. C'est peut-être un choix entre un signe de terre et un signe d'air aussi. Mais il y a un choix de concret, là. Il y a un choix. Si vous... Il y a un choix, bien entendu. Ace of Swords, les lovers, bien entendu. Il y a un choix entre quelque chose de concret et quelque chose de névrotique, on va dire. Et que vous êtes en train d'avoir la clarté par rapport à ce choix, petit à petit. Clarifier la Queen of Swords, on a justement le Cavalier de Bâton in Reverse, on a... Donc justement, ça vient me parler justement de toutes ces addictions sexuelles et tout ça, tous ces trucs de séduction et tout ça, là, à la poubelle, boum, c'est ça là. On a le Pendu in Reverse, donc ça vient me dire illumination, ça vient me dire qu'on bombe le torse, ça vient me dire qu'on retrouve sa souveraineté et tout ça, et qu'on arrête d'être cristallisé dans le passé. On arrête d'être cristallisé dans le passé, on arrête de croire qu'on a commis des fautes ou on n'a pas commis des fautes. Que tout ce qui est arrivé, en fait, c'était vraiment pour les bonnes raisons. Et on comprend la leçon, surtout. On comprend la leçon. Allez, je clarifie le Ace of Cups. Donc, c'est la Reine de Bâton ici. La Reine de Bâton. Donc là, on passe vraiment... Et ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça vient me dire que... C'est ça, on a appris à s'aimer. On est devenu sage. On a trouvé la lumière à l'intérieur. On a compris que la lumière était à l'intérieur. On s'est libéré des dépendances affectives. On arrive à faire les choix rationnels dans la vie. On arrive à se baser sur son expérience pour faire les bons choix. Et ça vient me dire que... Et ça vient me dire que... Solide émotionnellement aussi. Ça vient me dire que voilà, on passe de cet état-là, du cavalier de bâton in reverse à la queen.
of one's upright. Donc c'est aussi une énergie de lion, c'est une énergie de noblesse. Ça vient me dire que, ça vient me dire que de la passion naît l'esprit de création, mais ça vient me dire que vous allez avancer vers votre passion. Ça vient me dire que vous allez avancer vers votre soleil. Ça vient me dire que vous allez réussir à vous sortir de cette mélasse pas possible, mes amis poissons. Vous allez y arriver. Ouh, la vie est parsemée de leçons, est parsemée d'intrigues, est parsemée de... Faites-moi des commentaires parce que j'ai beau vouloir essayer de comprendre, mais j'ai l'impression que plus j'essaie de comprendre et moins j'y comprends quelque chose, les poissons. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, les poissons. N'hésitez pas. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Lao Tzu. Plutôt pas mal, hein, les poissons. Hein. Mais faites-moi des commentaires. Faites-moi des commentaires parce que quand j'ai vu la vidéo que j'ai fait hier et que je me suis pris 20 abonnés en moins, alors. Parce que peut-être que l'introduction a fait un peu trop mal. Vous allez me dire que c'est que 20 abonnés, hein, que ceux qui veulent partir pas, hein, mais. Quand je vois d'autres vidéos, votre autre arrive, votre autre vous manque, vous aimez toujours votre autre, il arrive, restez près du téléphone, il va vous passer un coup de fil, il a rompu avec la tierce, il a découvert des secrets, et personne qui répète les mêmes merdes pendant 3 ans et que ces vidéos elles font 30 000 vues tous les soirs, c'est bon quoi. Des fois je me dis, mais qu'est-ce que je fous là quoi. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, que je sers à quelque chose au moins quoi. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. S'ancrer, 70. Vouloir s'ancrer dans le présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Voilà mes amis poissons, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, n'en doutez pas. Très bientôt les poissons, je vous aime. Love you guys.